partager ces deux, trois choses. Toujours dans notre série qui est prospérer dans l'écoute de la voix de Dieu. Amen. Dis avec moi, prospérer dans l'écoute de la voix de Dieu. Quand je relis mes notes, je vous cite des pensées qui sont venues lorsque je étudiais ce sujet, des pensées que j'ai écrites, que tu pourras noter. J'ai dit en premier, parce que quand ces pensées me viennent par le Saint-Esprit, je les note pour ne pas que je les oublie, parce qu'elles ne viennent pas de moi, ce n'est pas inspiration. J'ai dit, on ne peut pas beaucoup écouter un Dieu avec lequel on n'a pas l'habitude de parler. Pour apprendre à écouter Dieu, en d'autres thèmes, il faut avoir l'habitude de parler à Dieu. Amen. Avoir l'habitude de parler à Dieu. Et pendant que je dis parler à Dieu, Dieu veut que j'insiste sur ce fait. Quand je dis parler à Dieu, je n'ai pas dit prier Dieu seulement. J'ai dit parler à Dieu. C'est vrai que souvent ça peut être confondu. Prier à un certain moment est différent de parler. Souvent on peut avoir fini de prier. On peut avoir beaucoup prié, mais on ne parle pas à Dieu. Quand je parle de parler à Dieu, c'est même au-delà d'un temps de prière. Vous me comprenez? Pour apprendre à écouter Dieu, il faut développer l'habitude de parler à Dieu. Pas seulement l'habitude de prier. Vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu me suis? Dis, je te suis. Parce que prier, c'est souvent rattaché à un moment, à un temps. Je vais prier de 20h à 21h. Je vais prier de 22h à 23h. Ou je vais prier toute la nuit. Je vais prier une veille. Mais parler à Dieu, c'est partout. Quelqu'un me comprend? Parler à Dieu, ça peut être même sur ta couche, au moment de dormir. Tu dis des choses, tu partages des choses. Parler à Dieu, c'est comme si tu causes avec lui. Parler à Dieu, c'est lui expliquer même ce que tu vis. Parler à Dieu, c'est lui partager même tes craintes, tes inquiétudes. C'est lui poser des questions. Et souvent, on sait prier, mais on ne sait pas parler à Dieu. Oui. Parler à Dieu, c'est parler à Dieu comme en étant conscient que c'est une personne. Souvent, on a des questions, mais on n'a jamais parlé à Dieu de ces questions. C'est dans notre cœur. C'est dans notre pensée. Mais on n'a jamais dit, Saint-Esprit, pourquoi ça m'arrive? Et on n'a pas insisté. Je t'ai posé la question, je n'ai pas encore eu de réponse. Parce que parler à Dieu, c'est aussi attendre de lui un retour. Ce n'est pas parler comme un ami imaginaire. Amen. C'est être conscient que si je parle à Dieu, je dois observer comment la réponse va venir. Amen. Au fait, c'est vraiment cette dimension-là que Dieu veut qu'on développe pour apprendre à développer son écoute, l'écoute de sa voix. L'écoute de sa voix vient beaucoup plus quand on fait de la camaraderie avec Dieu. Je pourrais utiliser ce thème, de la camaraderie, pas pour dire qu'on néglige Dieu ou on rabaisse Dieu, mais au fait, pour faire de l'amitié. Vous me comprenez un peu? Si je n'ai pas développé l'amitié avec Dieu, je vais rater beaucoup d'instructions de Dieu. Vous me comprenez un peu? Donc, je dois développer l'amitié. Et l'amitié, c'est que je partage, je dis des choses. Et l'amitié, là, ça se crée en fonction de ta manière d'être. Je me suis dit, moi-même personnellement, que chaque matin, quand je me lève, il faut que je te dise bonjour. Vous savez quoi? Même quand j'oublie, il me rappelle. Il dit, tu m'as dit que tu me disais bonjour, il est 10h. Tu ne m'as pas dit bonjour. Je sens dans mon esprit que quelqu'un me rappelle ça. Et je sais que c'est lui qui me rappelle. Parce que je lui ai dit, je veux que toi maintenant, toi et moi, que quand je me lève, avant que je fasse autre chose, je veux être tellement, c'est ma manière à moi d'être tellement conscient de ta présence. C'est à vous de trouver votre manière d'être conscient de la présence de Dieu. Hein. Docteur Yanguy Cho, vous voulez garder la conscience du Saint-Esprit. Vous savez ce qu'il a fait? Il mettait toujours une chaise à côté.
quand il prêchait. Sa manière à lui de dire, je ne vais pas oublier que Dieu est là. Chacun doit trouver la manière avec laquelle il développe la conscience de la présence de Dieu. Quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on sait? Dernièrement, j'écoutais un prédicateur qui a dit quelque chose. Il a dit quelque chose de très fort dont je savais, mais le fait qu'il insistait dessus, j'ai dit oui, c'est vrai. Il a dit que souvent quand on va se coucher, est-ce que vous savez que c'est le meilleur moment où Dieu veut te parler? Mais il dit que la plupart du temps, quand on va se coucher, on va et puis même dormir, c'est-à-dire que préparer notre temps de sommeil, nous ne sommes pas conscients que c'est un meilleur moyen pour que Dieu nous parle. Au fait, dormir n'est pas seulement reposer le corps. Dormir, c'est permettre à Dieu de plus parler à notre esprit. Donc, quelqu'un qui est conscient de la voix de Dieu, quelqu'un qui sait que la voix de Dieu là, écoute cher, quelqu'un qui fait attention à sa relation avec Dieu, c'est-à-dire que même ses sommeils, il va les préparer. Il va faire attention à ce qu'il regarde avant de dormir. Parce qu'il sait que dormir, c'est le meilleur moyen que Dieu me dise beaucoup plus de choses que la journée. Parce que c'est le moment où ma conscience est en sommeil. Ma réflexion est en sommeil. Et là maintenant, je peux communier d'esprit à esprit. Il n'y a pas d'interférence de mes émotions. C'est pour ça que vous allez voir, il est plus facile, même à un païen, de faire un songe de Dieu. Parce que dormir, c'est la meilleure fréquence pour écouter Dieu. Quand tu ne peux pas écouter Dieu étant éveillé, c'est la meilleure fréquence où tu sais que même si tu es un occultiste, Dieu peut te parler dedans. Dieu a parlé à Pharaon dans un songe. Pharaon n'était pas hébreu. Mais Dieu est venu dans le songe et Dieu lui a donné deux énigmes dans le rêve. Nébuchadnezzar, roi imbu et orgueilleux, Dieu est venu lui donner un rêve sur l'avenir des nations. Et puis c'est juste Daniel qui a une relation avec Dieu qui est venu l'interpréter. Mais l'énigme, Dieu a mis ça dans l'esprit de Nébuchadnezzar, dans son sommeil. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Et c'est pour ça que quand il s'agit des songes, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour en avoir. Parce que les songes font partie de la voie de la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que même un païen peut recevoir un songe de Dieu. Mais c'est juste que quand tu es chrétien, la fréquence va augmenter. Vous me comprenez un peu? C'est-à-dire que quand tu es chrétien, tu vas plus mieux te connecter à la fréquence des songes qu'un païen qui va recevoir des songes de temps à autre. Vous me comprenez un peu? Le Père est tellement amour que le Père a fait en sorte que n'importe quel individu peut recevoir un message de lui par les songes. Peut recevoir une alerte. Même s'il ne prie pas, même s'il n'est pas quelqu'un d'église, il n'y a pas un païen. Si la Bible nous a donné Pharaon et Nébuchadnezzar, ça veut dire qu'au moins une fois dans la vie d'un païen, il a reçu un message de Dieu. Vous me comprenez un peu? Parce que le Père, il est souverain. Le Père fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. C'est juste que maintenant, quand on rentre dans le royaume, Dieu nous donne la capacité de pouvoir travailler, de maîtriser cette fréquence. Vous me comprenez un peu? Quand c'est pour les païens, c'est hasardeux. Quand c'est pour les chrétiens, maintenant, là, je peux entrer. Donc, ça veut dire, l'amitié, la camaraderie, à s'habituer à parler au Saint-Esprit, même en dehors des temps de prière. Même en dehors des temps de prière. Tu es dans le train, tu es dans le métro, tu peux parler dans ton cœur. En fait, c'est de s'habituer, C'est que même si ce n'est pas évident, je dois habituer mon esprit à parler au Saint-Esprit, à lui dire des choses, à le questionner. Et puis de dire, Saint-Esprit, j'attends la réponse. Et quand tu pries là, tu pries pour que maintenant, il te réponde. Vous me comprenez? Ou quand tu cherches dans la Bible, tu seras en train de chercher la question que tu as posée, la réponse à la question que tu as posée au Saint-Esprit. C'est là que maintenant même ta relation avec Dieu devient passionnante. Parce qu'elle est beaucoup basée maintenant sur j'ai envie d'apprendre, je veux connaître. Et ça fait que plus tu vas commencer à cette individualisation avec le Saint-Esprit, qui est même au-delà de tes temps de prière, et une intimité qui se crée entre toi et lui. À chacun doit trouver la manière dont il garde la conscience du Saint-Esprit. J'ai dit moi, je me garde la conscience du Saint-Esprit en me disant, en m'obligeant que chaque matin, je dois te dire bonjour. Que chaque nuit, même si tu ne sommeilles ni ne dors, je dois te dire bonne nuit.
Je veux que tu sois la première chose à mon lever et la dernière à mon coucher. De sorte que quand je vais me coucher, je dis, je m'attends à des exploits cette nuit. Visite-moi. Parce que je sais que dormir n'est qu'un moyen de transport pour que j'aille dans une autre dimension avec, avec l'esprit. C'est reposer mon corps, garer la voiture et permettre à mon esprit de mieux encore fonctionner. C'est mon corps qui est limité, hein, mais l'esprit n'est pas limité. Que à partir de ce matin-là, tu fasses même attention à tes nuits de sommeil. Amen. Tu ne dors pas par hasard. Tu sais que dormir, c'est une invitation de Dieu. Oui. Lisez la Bible. Quand Dieu voulait faire quelque chose dans la vie d'Adam, il l'a fait coucher. Quand Dieu voulait faire Abraham, la Bible dit qu'il a mis Abraham dans un sommeil. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est l'homme qui n'y point garde. Il parle par des songes lorsque nous sommes dans un profond sommeil. C'est-à-dire, le sommeil, là, c'est le moment le plus utilisé par Dieu pour parler aux enfants de Dieu. Un jour, je dormais. J'ai partagé ça à ma femme. J'ai dit, est-ce que tu sais, j'ai dormi. J'ai vu six images. J'ai dit, même j'en ai vu beaucoup. Mais mon esprit ne pouvait pas tout enregistrer. J'ai dit, c'était étonnant. C'est-à-dire que j'ai vu une scène, elle s'est terminée. J'ai vu encore une autre, elle s'est terminée. J'ai vu encore une autre, elle s'est terminée. Jusqu'à ce qu'on en fait six. C'est quelqu'un qui rêve et puis fait un rêve. Hein. Moi, j'ai compris que même l'esprit, là, c'est comme le navigateur. Tu peux ouvrir un, deux, trois. C'est que Dieu peut te montrer autant de choses durant la même nuit. C'est nous qui pensons que quand on dort, on fait un rêve. Ça, c'est limiter l'esprit de Dieu. Tu peux dormir, tu peux faire 10 songes. Oui. Oui. Mais ça vient du quoi? Ça vient de la relation avec le Saint-Esprit. Ça, si on m'avait dit et que je n'avais pas expérimenté, j'allais dire que c'est faux. Oui, 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 oui. La plupart du temps, ça m'arrive d'avoir, quand Dieu veut me parler par songe, ça m'arrive d'en avoir 3 ou 4 dans la même période. Souvent, j'en ai tellement beaucoup que souvent même là, il faut que je prie pour que je puisse me rappeler de certains. J'en fais par série, au fait. C'est-à-dire que souvent, les deux n'ont rien à voir. Mais c'est comme j'étais endormi. Dieu m'en donne. Dieu m'en donne. Vous me comprenez un peu? Amen. Que Dieu... Que maintenant ta conscience du sommeil change. Amen. Amen. Dormir est une opportunité pour que Dieu te parle. Dormir est une opportunité pour que Dieu nous parle. Dans notre vie, on va dormir un tiers de temps. Un tiers de notre vie est dans le sommeil. Qui n'aimerait pas que chaque jour, il rêve quelque chose de Dieu? C'est-à-dire que maintenant que tu as préparé, c'est-à-dire que quand il est déjà l'heure de dormir, là, tu commences à avoir tes habitudes. Tu commences à dormir avec des instruments. Vous savez, il y a des moments si tu écoutes des instrumentales qui excitent ton esprit. Même dans ton rêve, ça te suit. L'esprit et les paroles de la mélodie là, vont te suivre dans le rêve. Tu peux prendre quelque chose d'extérieur et aller ça dans ton sommeil. C'est pour ça que la qualité de ce qu'on écoute pendant qu'on dort. Un jour, un prophète disait à une sœur, il lui a dit que, il lui donnait une révélation. Il dit que la nuit, tu as dormi avec la chanson de tel chantre. Elle dit oui. Il dit, quand tu as dormi spécialement avec la chanson qui parlait de l'onction. Elle dit oui. Il dit, quand tu as écouté ça, un ange est venu dans ton rêve. À cause du fait que ton esprit était sensible aux paroles. Et que tu as désiré dormir avec ça. Tu as attiré la visitation d'un ange dans ton sommeil. Est-ce que Dieu met la main sur la tête du Seigneur? Donne-moi de ne plus oublier mes rêves. À qui c'est déjà arrivé? Il voit une scène et que cette scène-là, il a l'impression que je l'ai déjà vue. Ça arrive à tous les êtres humains. Vous savez quoi? Tu as vu ça dans un rêve. C'est pas que j'ai oublié. Avant, je ne savais pas, mais c'était quoi? C'est un jour, je vois une scène et je me rappelle que cette scène-là, je sais où je l'ai vue. C'est-à-dire que la plupart du temps, les êtres humains oublient où ils ont vu. Mais c'est le moment où ils revoient la scène qu'on se rappelle. Mais est-ce que tu sais qu'il y a un niveau, quand tu commences à grandir avec Dieu,
quand la scène arrive, tu sais que tu avais vu ça tel jour. C'est-à-dire que ton esprit a sauvegardé l'événement. Tu te rappelles d'où tu as vu. La plupart du temps, on ne se rappelle pas. La majeure partie des êtres humains ne se rappellent pas où ont-ils vu cette scène. Et je t'annonce, tu l'as vu en dormant. C'est juste qu'en fait, quand tu t'es réveillé là, je vous dis, hein, même quand tu penses que tu n'as pas songé, méfie-toi. Même quand tu penses que tu ne te rappelles pas, je ne sais pas pourquoi j'insiste dessus, même quand tu penses que tu ne t'es pas rappelé de tes songes à ton réveil, méfie-toi. Des informations t'ont été données, peut-être c'est toi, ton esprit qui a oublié. Souvent, pour activer, prie en langue, avec le désir de Seigneur, rappelle-moi ce que tu as déposé comme information dans mon esprit quand je dormais. Chaque fois que quelqu'un prie en langue, en étant concentré, avec l'esprit de se rappeler, il se rappelle. Dieu veut que j'insiste dessus parce que Dieu veut que tu commences à prendre l'écoute de la voix de Dieu. On commence à prendre l'écoute de la voix de Dieu au sérieux. Et de commencer à comprendre que peut-être au travail, tu n'as pas écouté Dieu. Peut-être dans le train, tu n'as pas écouté Dieu. Mais la nuit, tu ne dois pas rater. Quelqu'un me comprend un peu? Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Peut-être le matin, j'étais un peu stressé, j'étais peut-être anxieuse, il y avait peut-être trop de choses, j'étais un peu busy avec le travail. Mais la nuit, non, je ne dois pas rater. Ah! La nuit où je n'ai pas la télé, comment ça se fait que c'est là que je vais rater? Dis avec moi, que je ne rate plus la nuit. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Ça doit révolter un enfant de Dieu pour dire que je n'ai pas peut-être le matin capté quelque chose, mais la nuit là, au moins je dois saisir. Je dois saisir. Quand vous lisez Matthieu et vous lisez l'histoire de Joseph, 4 fois il a eu des avertissements en songe. Ça veut dire que Dieu n'est pas en train de blaguer avec Andorre. 4 fois, une première fois, un ange est venu lui dire, ton mariage que tu veux arrêter là, ton mariage que tu veux arrêter en secret là, n'arrête pas. 2e fois, un ange est venu lui dire encore, on dit divinement averti en songe. C'est-à-dire que les songes sont des moyens d'avertissement de Dieu aux hommes. Les songes, c'est un moyen que Dieu permet de te prévenir d'avance. Donc imaginez si Joseph, ses nuits et son sommeil étaient dérangés. C'est pour ça que si tu es à la maison et puis tu dois voir les gens, il ne faut pas que les gens te dérangent dans ton sommeil parce que c'est aussi un temps de visitation. Quand ton sommeil est dérangé, ça veut dire que tu es en train de brouiller ta fréquence. Préparons notre sommeil et préparons notre lever. C'est-à-dire que quand quelqu'un se lève aussi, là, qu'il ne se lève pas, genre comme si il ne vient pas de quelque part. Quand tu ouvres tes yeux, qu'est-ce que j'ai dû voir? Quelqu'un me comprend un peu? Ta sensibilité détermine ce que tu vas recevoir. Mais quelqu'un s'est levé, en même temps les rêves sonnent. Comment avancer? C'est-à-dire que le temps là, l'information qui était toute fraîche là, tu l'as détruite. Parce que souvent il y a des songes qui sont forts, dont ton esprit se rappelle directement. Moi ça m'est déjà arrivé souvent de rêver. Ah, tu aimes quand je parle des rêves? Amen. Amen. Ce n'est pas mon message, c'est même pas ce que j'allais dire. Mais Dieu me met à cœur de parler sur les rêves. Il y a des moments... Quand je rêve, et puis je me suis réveillé à 3 heures du matin, je me force pour dire, j'essaie de me rappeler encore du rêve, dans mon rêve. J'essaie de me rappeler pour ne pas que quand le matin arrive, j'oublie. Parce que ça ne passe pas dans le cerveau. C'est pour ça que le cerveau ne peut pas le retenir tout de suite. Si je ne fais pas un travail de mémorisation ou de noter, quand je prends mes notes, j'ai une section que j'appelle songe. Quand je répète toujours là-bas, vous savez quoi? Je suis choqué, c'est moi qui ai écrit que en tel mois, j'ai songé de ça. Moi-même, je suis dépassé. C'est-à-dire que, imaginez, moi-même, j'étais conscient quand je notais, mais j'ai oublié. C'est quand je pars dans mes notes, et je dis, attends, depuis que j'ai fait ce rêve-là? Moi-même, je suis étonné. Attends, donc j'ai rêvé comme ça. Et puis j'explique. Moi-même, j'écris dans mon truc. J'explique quand j'ai rêvé là. J'ai rêvé que c'était comme ça. Et puis moi, je me dis, attends, j'avais de l'autre. D'où me vient cette connaissance? Parce que j'ai oublié. Non, imagine quelqu'un qui ne note pas ses songes. Il ne note pas ses songes. Il y a des choses que tu vas oublier. Il y a des choses que Dieu peut te faire songer aujourd'hui. C'est dans 4 ans que tu vas comprendre.
C'est pour ça que même que tu ne comprends pas, note-les. Note-les. Et puis quand on dit méditer, là, c'est souvent revenir dans ton note de songe. Parce que parfois, tu peux te poser une question à une période de l'année. Mais à la période de l'année, là, quand tu vas lire tes songes, tu as dit, je viens de comprendre. C'était ce que je faisais depuis l'année dernière, là. Cette série de songes-là. En vrai, ça se ressemble à ce que je suis en train de voir. Quand un songe n'est pas clair, plus tard, j'expliquerai des dimensions du songe. Amen. Mais il y a deux choses que tu dois savoir. Il y a des songes qui sont clairs et il y a des songes qui sont énigmatiques. Quand c'est un songe sur quelqu'un, ne te presse pas d'aller dire à la personne « j'ai songé sur toi », ça ne se fait pas. Quand tu songes sur quelqu'un, prie pour la personne. Parce que ton songe, elle ne peut pas comprendre. Et si Dieu n'est pas passé par elle, et Dieu est passé par toi, c'est-à-dire que c'est toi que Dieu est venu donner cette information. Vous me comprenez un peu? Est-ce que tu peux te donner des bouts? Donc, pour développer l'écoute de Dieu dans les songes, il faut avoir l'habitude de préparer ses temps de sommeil. Et c'est-à-dire, la plupart du temps, tes temps de sommeil doivent être préparés dans la présence de Dieu. Vous me comprenez un peu? Tu ne peux pas regarder une série hollywoodienne tout le temps et vouloir que tu songes des songes de Dieu tout le temps. Tu peux regarder ça à un autre moment, mais tu sais que quand ça arrive à la nuit, les images que je regarde, les événements que je regarde peuvent influencer mon cœur et changer l'orientation de ce que je veux dire. Ça va interférer, vous me comprenez? La plupart de beaucoup de chrétiens, avec ma petite expérience, beaucoup de chrétiens ont des songes de Dieu. Mais vous savez quoi? C'est mélangé, c'est confus. C'est-à-dire que pendant que souvent j'entends, ça fait des années, hein, pendant que j'entends, quand j'entends là, je sais que ça c'est Dieu. Mais puis à un moment là, c'est-à-dire que mon esprit n'est plus compatible avec ça. Et puis j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi au début le songe là commence avec Dieu? Et puis à un moment là, c'est, on est monté. Après qu'on est monté là, j'entends dire, ouh, et puis après c'est redescendu. Après, ça fait hi. Et puis après, je suis reparti là-bas. Après, j'ai vu celui que je vois à la télé là. Après, il m'a pris le micro. Il m'a dit yes. Pasteur, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Tu sais quoi? Ça vient révéler au fait ton âme est trop saturée d'images. C'est pour ça que quelqu'un qui veut s'habituer à songer, qu'il prie intensément la nuit. Si tu dors, ça ne va pas rater. Oui. La plupart des gens qui ont souvent prié à 5 heures et qui se sont redormis, 5 heures, 6 heures, qui se sont redormis, la plupart, la période là, ils ont tous fait des songes. Oui. Parce qu'au fait, c'est souvent vers l'aube du matin qu'il en donne autant à nos bien-aimés. Je prie que Dieu te donne l'esprit de prendre les songes. L'esprit qui va te désirer, c'est-à-dire que quand la nuit approche, tu dis, « Hey, Saint-Esprit, il y a quelque chose qui va se passer. Parle-moi. » Quelqu'un me comprend un peu? Les songes peuvent te donner l'état spirituel de ta vie. C'est pour ça que quand souvent je veux m'entretenir avec quelqu'un et que je n'ai pas eu de rapport avec lui depuis un certain moment, je lui dis, « Donne-moi la fréquence de tes songes. » C'est comme son journal de TV. Il va m'expliquer la série de ses songes. Je vais comprendre ce qui se passe dans sa vie. Par tes songes, tu peux savoir qu'est-ce qui se passe actuellement dans l'environnement spirituel. La fréquence ou ce qui se répète souvent. Tu vois un peu? Il y a des sons qui se répètent. Ça permet de pouvoir cerner. Vous me comprenez un peu? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un dans un songe? Un tiers de notre vie a dormi. Et puis on va dormir et puis on fait une semaine, tu ne vois rien. Que Dieu t'ouvre les yeux quand tu dors. Amen. Que Dieu permette que tu te rappelles quand tu dors. Amen. Que des anges viennent et te parlent. Que tu commences à comprendre que c'est le meilleur moment pour communier avec Dieu. Ce n'est pas seulement le moment de me reposer, c'est le moment aussi de communier avec Dieu. Si ton corps est trop fatigué, ça va perturber ton songe. Ouais. C'est pour ça qu'à un moment, pour dormir, quelqu'un qui veut développer l'habitude des songes, il doit faire extrêmement vigilant à la qualité de son sommeil. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Mets la main sur la tête. Dis, Seigneur, donne-moi de ne pas oublier mes songes.
Donne-moi de considérer mes temps de sommeil. Les moments les meilleurs pour que tu me parles. Dans les songes aussi, Satan peut venir te parler. Oui. Satan est un esprit. C'est pour ça que tout songe que tu prends, il faut analyser la texture. Si elle ne vient pas te prévenir de quelque chose. Par exemple, il y a des années de cela, une personne m'a expliqué un rêve. Elle dit que dans le rêve, je me suis réveillé, j'étais folle. J'étais folle, je me promenais dans la rue, je parlais. Quand la personne m'a expliqué le rêve, j'ai dit ce rêve-là est une œuvre du diable. C'est le diable qui veut te donner l'information que voici ce qu'il veut pour toi. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer ce rêve. Dieu qui est père, imagine, Dieu qui est père, il va envoyer à son enfant en train d'être fou. Tu trouves ça logique? Tu trouves ça logique? Si Dieu veut te faire prier, il veut te faire annuler ça, Dieu va te faire prier. Il ne va pas venir te le montrer en image pour que ça te déstabilise. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Pour que ça te déstabilise. Il y a des rêves qui sont des rêves du diable. Et les rêves du diable, au fait, ce sont les rêves qui viennent te montrer seulement un caractère noir. Et ça s'arrête là. Ça vient te montrer quelque chose de négatif. Et c'est tout, c'est fini. Contre toi ou contre tes enfants. Je donne un exemple. Un homme de Dieu priait. Et dans son rêve, il a fait le rêve. Il a vu sa fille. Sa fille devenir autre chose dans le rêve. Il lui parlait, elle n'écoutait plus. Mais sa fille de base, elle écoute. Mais dans le rêve, là, elle était devenue autre chose. Et dans le rêve, là, il a même pleuré. Pourquoi tu es devenu comme ça? Quand tu te lèves avec un tel rêve, Dieu est en train de dire, voici ce que Satan veut faire. Donc quand quelqu'un se lève comme ça dans le rêve, il ne faut pas croire, il ne faut pas dire que c'est ce qui va arriver. Et toi comme ça, est-ce que tu veux que ça arrive? Pourquoi quand tu vois quelque chose de négatif, c'est que tu veux que ça arrive? Ce n'est pas bon pour un prophète de voir uniquement des choses négatives et de vouloir que ça arrive. Ce qui est négatif n'est pas censé arriver. C'est censé me prévenir pour que j'anticipe. J'intercède. Mais vous savez, la plupart du temps, pourquoi Dieu ne donne pas trop de rêves? Parce qu'il sait que tu ne vas pas prier. Ça sert à quoi que je te demande des choses et que tu ne pries pas? Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Cet homme comme ça, quand il se lève, il doit prier parce qu'il sait qu'il y a un agenda du diable contre sa vie. Dieu vient de lui prévenir. Ce n'est pas qu'il a dit à ta fille, ma fille, depuis quand j'ai rêvé sur toi, j'ai vu que tu es devenu bizarre. Ça ne la concerne pas. Ce n'est pas le fait de lui dire là qui change. Et souvent, on aime aller expliquer aux gens ce qu'on a vu de négatif contre eux. Si Dieu t'a montré, prie! Vous me comprenez un peu? Parce que tu vas même traumatiser la personne. Parce que la personne même ne savait pas. Et puis, tu as comme ça dit, méfie-toi, hein. J'espère que tu ne vas pas devenir comme j'ai vu dans mon rêve. Non. Non. C'est une œuvre du diable. Elle n'est pas censée s'arriver. Je la détruis. Qu'elle te bénisse par ces quelques minutes. Amen.